Chantons-les encore. Je suis disposé aussi assoiffé que ton nom descend sur moi. Disposé, je suis disposé assoiffé que ton nom descend. Très fort comme une prière avec les mains levées. Je suis disposé Commence à le changer. Commence à le transformer. Il y a des choses qu'il doit abandonner. Il y a des choses qu'il doit commencer. Il y a des choses qu'il doit croire. Il y a des choses qu'il doit réfuter. Cet atome-ci ne marche pas avec les promesses qu'il faut. Cette mentalité-ci, ces croyances-ci ne vont pas avec les promesses. Oh, va nouveau. Je veux être nouveau pour toi. Oh, drap nouveau. Je veux être nouveau pour toi. Oh, va nouveau. Je veux être renouvelé pour à l'attente de ce que tu veux déverser sur nous. La nouveauté est garantie. La nouveauté du vin est garantie. La nouveauté du drap est garantie. La nouveauté du contenu est garantie. Aide-nous à garantir la nouveauté du contenant. Tu te connais toi-même. La nouvelle que je viens juste te dire, c'est que tu n'es pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Et que le travail de du perfectionnement n'est pas fini. Et que tu ne dois pas ralentir cela.
et que toutes les nouvelles bonnes choses que Dieu essaie de placer en toi ont besoin de ce perfectionnement, de ce changement continu, de cette transformation de la manière de raisonner les choses. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu n'as pas toujours raison. C'est faux, tu n'as pas toujours raison. Il est temps de commencer à apprendre à comprendre les choses selon Dieu. Seigneur Jésus, j'aimerais te faire une prière ici en présence de mes frères à un jour que Gamaliel a rendu spécial pour nous tous. Le jour où il est né, il était né pour que les genoux fléchissent à Christ. Et il s'en est rendu compte le plus tôt. Et il a fait le jour de son arrivée sur terre, le jour où nous nous prosternons devant ta gloire. Mais le jour où il est né, une personne neuve a été envoyée sur la terre. Et il l'a transformée en un jour où nous tous nous recevons ce qui est neuf. Je te prie, Seigneur, avec moi-même en premier, dans cette affaire, je te prie. Commence à briser tout ce qui t'empêche de remplir pleinement ta volonté. Mourir, c'est une chose, mais vivre avec une jalousie qui ronge dans le cœur parce qu'on voit dans les autres s'accomplir des choses qui nous étaient promises à nous, mais pour lesquelles on n'a pas été suffisamment ouvert pour pouvoir les accomplir. Je ne veux pas donner à une autre génération ma responsabilité, ni l'enrichir par des richesses, des choses que j'ai dû abandonner. Seigneur, travaillons-nous tous. Oh, si ce travail était juste une onction qui descendait, qui brisait notre caractère, ça laisse faire ce matin, on en est sûr. Mais on sait que c'est plus que ça. C'est une vie, ce sont des décisions à prendre. Ce sont des choses à fixer personnellement dans le secret avec Dieu. Ce sont des habitudes à accepter et d'autres à abandonner. Ce sont des croyances à fixer. Ce sont des attitudes à changer. Seigneur, c'est nous. C'est à nous que tu demandes de renoncer. Tu nous demandes de renoncer à nous-mêmes. Pendant qu'on a bâti cela avec de longues années, après de longues, longues années, on a bâti pierre après pierre après pierre. On est devenu ce qu'on est devenu à cause de notre réputation, notre sérieux, notre rigueur avec nous-mêmes. Et tu nous dis que nos instruments de gloire n'ont servi à rien. Et que nous devons juste prendre tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui et considérer cela comme de la boue. Ouais, je comprends les sentiments qu'avait Paul après avoir appris au pied de Gamaliel pendant de longues années, avoir bâti une conscience par rapport à la Torah, l'amour pour le Saint-Temple, avoir drainé les peuples, se préparant à conduire le peuple vers les promesses de l'éternité. Et tout ça devait devenir nul. Seigneur, est-ce que nous nous tenons pas par hasard sur une histoire qui est nulle? Est-ce que nous ne nous tenons pas par hasard sur des diplômes qui sont nuls? Seigneur, est-ce que nous ne nous asseyons pas par hasard sur des expériences qui sont nulles? Est-ce que nous ne nous côtoyons pas la boue tous les jours? Et que nous devons finalement prendre le courage d'appeler cela par son nom. Que jusqu'ici, ce n'était que de la boue. Aide-nous, Seigneur. Pendant que nous prenons ces décisions dans nos cœurs, aide-nous à passer par l'école de la nouveauté, l'école du renouvellement, l'école du brisement, l'école du changement, l'école de la préparation. Aide-nous, Seigneur.
toi, oh.